Alors là maintenant, c'est au cas où vous voulez une astuce de croissance durable. Si vous souhaitez une croissance durable et gérable, votre DAU, donc votre Daily Active User, hein, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, ne devrait pas être la mesure clé sur laquelle vous concentrez. Voici la façon de trouver votre métrique clé réelle. Vous divisez votre public en segments en fonction de chaque fonctionnalité de votre produit utilisé. Par exemple, si vous avez une application de musique, ceux qui ont ajouté une chanson, ceux qui ont partagé une chanson, ceux qui ont écouté une chanson, ceux qui ont créé une liste de lecture, etc. Et vous construisez une cohorte de rétention pour chaque segment. Vous choisissez le segment avec le taux de rétention le plus élevé. Par exemple, sur Dropbox, il s'agit d'un segment d'utilisateurs qui ont téléchargé au moins un fichier. C'est leur fonctionnalité principale. Et bien, la mesure clé d'activation est le taux de conversion des nouveaux utilisateurs après qu'ils aient essayé votre fonctionnalité principale. Donc, concentrez-vous sur la croissance de cette mesure clé et vous obtiendrez une croissance durable.